Je vous raconte une histoire incroyable. Mec34 qui va l'offrir 5 subs. Je l'ai rencontré à Montpellier. Au Montpellier Sport Show. On a organisé de l'Arbac Cup là-bas. Sur Hearthstone à l'époque. Et merci beaucoup Angel Vlad pour l'abonnement. Merci beaucoup. Et en gros c'est à l'époque où il y avait encore des événements. Et c'est à l'époque où on pouvait encore se restaurer en dehors de chez soi. Vous vous rappelez ou pas? Et donc il y avait un stand où ils vendaient du poulet. Ils vendaient du poulet, tu vendais du poulet non c'est ça? Enfin c'était un stand où tu vendais des poulets, des frites, des... Et il m'a payé ses potatoes. Voilà, il était au stand et tout, des wraps. Et ben il m'a payé ses potatoes quoi. Voilà. On peut le dire, tu tenais le stand, on peut le dire ou pas? À bout de bras. Quel homme. Ah bah ben, clairement un héros hein. Un héros. Bravo. Vive la France. Vive la France mesdames, messieurs. C'est à l'époque où on pouvait encore avoir des interactions sociales avec des gens quoi. C'était fou hein. On se rend pas compte en vrai. C'était vraiment incroyable quoi. Cette époque là. Oh là, là. C'était vraiment dingue quoi. vraiment un truc de fou quoi. Enfin une prédiction. On pouvait. Ouais on le faisait pas mais on pouvait en tout cas. Moi j'ai fait une petite prédiction sur le PvE. Hein. Je ne suis pas le petit ver de terre, je suis l'aigle. Merci beaucoup gros golos. Merci beaucoup. Merci pour le sub. Champion du monde. En vrai je savais qu'il ferait un truc bien en vrai. J'aurais peut-être pu garder pour Keeper le Kennen en vrai. J'ai vendu comme en 14. Nautilus je kiffe ce perso. Quel bro quoi. Quel bro. C'est le Brotilus. I got this. Si vous voulez la team idéale, dépensez 2700 balles. Ok. J'ai une pelouille de thunes là, putain. Est-ce que vous connaissez la pelouille de thunes? Faut pousser, j'ai pas vu d'élu encore. Par contre, j'ai pas d'item. Hein. J'ai pas vu de brand, ça fait chier. Fortune. Honnêtement, j'ai rien qui me laisse penser que je vais jouer fortune là. Je pense. Moi, j'ai la game d'avant, j'avais tapé le forgeron de la Valois désormais. Ah, merci Calflo, merci. J'ai bien forgé la game d'avant. Y'a Nautilus. Le mec, c'est le PBE. Putain, le mec, il connaît pas le PBE quoi, ça dégoûte. Franchement, les gens qui sont pas au courant de toutes les nouveautés, franchement, c'est vraiment un truc de fou, je trouve. Vraiment ça dégoûte. Je plaisante. Ça snowball cette merde ou pas? Ouais, Nasus a l'air d'être de la merde pour l'instant mais... YOLO quoi. YOLO we are young. C'est quoi midi gold? Les fables de la fontaine. Les fables de la femme fontaine. À partir de minuit, je vous les raconterai. Non, c'est fou. C'est fou. Moi, j'ai un problème qu'ils mettent un Nasus qui stack comme Veigar toute la game avec la buveuse, quoi. Ça aurait été cancer en vrai. Ah, c'est bien de la merde, Nasus, hein. C'est de la merde. En vrai, il a fait des bons dégâts quand même. J'abuse un peu. C'est bien, ça a l'air ok. Ok, plus, plus même. C'est très facile d'avoir cultiste. Ouais, non, ça revient même qu'avant quoi. C'est juste qu'ils ont enlevé Elvin, ils ont mis cultiste. Ils ont mis. Ça revient même qu'avant. Ils ont mis Sylvia quoi. Elle a une meilleure gueule que Jinx en vrai, je trouve. J'ai juste en train de les upgrade, c'est quoi. J'ai rien là.
Oui, ma gâte. Bien sûr, qui m'ont raté? Soleil dans la bulle, sur le prêt d'eau, Shifter Pro. Non, mais j'ai pas eu de brand alors que j'ai du stuff pour jouer Aurélien Soul. J'avais joué le grand Aurélien Soul là, perso. El grande Aurélien Soul. C'est pré-push, c'est parti, hein. Chouchou, merci pour le travail. Que ça s'appelle le train du scab. Pas partie de ces gens-là, mais. Évidemment, je gagne tous les 50-50, hein, mais quand il y aura les wards, je vais tous les perdre, hein, je vous le dis. Hein. Oh, j'aime bien faire des calices encore, je crois. Morello Nasus, c'est de la merde, hein, il est mono-cible. Je peux pas faire un calice sur le Nasus quand même, si. Mouais. Tada. Non, en tout cas, certitude pour l'instant, Kayle, ça a l'air giga broken. Ça, c'est vraiment la certitude, ça. C'est là que je n'ai pas vu Brandad pour le moment. Je suis entré Brawler. Brawler Vanguard. Un band organisé. Et Samira. Samira, j'ai pas encore joué, mais ça a l'air broken, hein, franchement. Samira. On a parlé d'Axaya, un top dégâts. Axaya, c'est la famille, je crois aussi. Hein. Je crois, les gars, que Axaya, c'est complètement la famille, je crois. Je crois que c'est complètement la famille. Oui, la famille. Par contre, je trouve qu'il s'y fonde pas beaucoup le Nasus. Hein. Après, il y a une Sunfire en face. Mais bon. Putain, Shyvana à l'ancienne, c'est quand même la hype. Hein. Je kiffe ce champion. Après, Samira, je peux vous prédire que ça va se faire un nerf assez vite. Hein. The Bilamouche. Non, par contre, on est bon. Hein. On win streak bien aujourd'hui. On fait des bonnes games. Hein. On est bon. Là, on est en position soleil dans la bulle sur le Prado Shifter Pro là. Chante-nous Enfant de la Luna. Ça, c'est Nemaïdes qui vous le chantera demain, ça. Alors n'oubliez pas qu'il y a le stream demain matin. Hein. Demain matin, les amis, stream exceptionnel à partir de 9h du matin. Vous retrouvez Nemaïdes sur sa chaîne perso pour un Rush Challenger sur le serveur live. Objectif top 10 challenge, hein, évidemment, on appelle ça le Nema Time. Hein. C'est son rush challenger, les amis, sur le serveur live, bien sûr, hein, pour la fin de saison. La fin de saison. Le traditionnel, hein, bien sûr, depuis le 7-2, il ne le rate pas. Afin d'atteindre le top 10 challenge. Une grande tradition, vous le savez. Hein. Évidemment, j'ai perdu chez le Somme. Qu'il s'agirait de ne pas rater, bien sûr. Un petit Ameno des familles. Ça, c'était avant qu'on est dans une dictature, ça m'attend, on peut plus mettre Ameno en stream maintenant. Nasus dégage, ouais, je pense. Excusez-moi avec les Moonlight. Ah bah bien sûr. Il sera en Shifter Pro d'ailleurs. Si c'est pas une game Aurélien, ça franchement coupez-moi les couilles quoi. Je kiffe trop Brand. C'est trop bien. Comme un accès au PBE. Alors je ne te dis rien, mais c'est comme dans les livres où vous êtes le héros. Quelque part sur ton écran, tu as un indice qui t'emmènera sur un autre endroit où tu pourras trouver la réponse. Voilà. Mais faut que tu l'aides pas le chat. Hein. Faut que tu trouves tout seul. Il y a sur ton écran quelque part un indice qui peut t'aider pour t'emmener à un autre indice. J'en dirai pas plus.
J'en tiens. C'est quoi les spells Nasus, Brand, Tristana et Vladimir? Quelqu'un peut l'aider, moi je connais pas les spells de LOL donc. Ah c'est trop bien Warhammer, j'en avais quand j'étais petit, j'adore. J'ai Serhwani. Même pas, je suis pas sûr en fait que j'ai envie de vendre là. Il fait un peu le taf ou pas le Nasus pour l'instant en vrai. Bof quand même. Peut-être virer le Maokai là. Tant que j'ai gagné champion du monde. Pas encore mais on y travaille là. Là c'est super bien parti en vrai. Bon, un Trindaber sans... Ah d'accord, Trindaber il va à l'autre bout de la map avec son ulti. Très bien. C'est bon à savoir ça. D'abord il est clairement en bande organisée là, on peut le dire. Il régène pas du tout le Nasus, j'ai l'impression, en même temps il est que Siphonneur 2 quoi. Siphonné. Ah il régène un peu là, Siphonneur. D'ailleurs il donne de la régène à toute la team avec Siphonneur quand même. C'est fort, les élus Siphonneur c'est fort je pense. Tu joues quoi en TFT? J'ai eu de célèbres carrières sur Hearthstone, ponctuées par de nombreux titres et par de nombreuses vidéos, comiques. Est-ce que je garde Nautilus par contre, c'est la question quoi. Ah, peut-être pour le choquette que je vais rentrer pour le fan à un moment donné, c'est sympa quand même quoi. C'est vrai que c'est sympa. Allez, dégage. J'ai joué à Yu-Gi-Oh, bien sûr. Darius Annie. Ah ouais, nice. Super, merci pour l'info. Finalement, le Nasus il fait un peu de dégâts. Hein. Je suis pas mécontent. Ouais, je suis partagé entre me dire que c'est de la grosse merde et. Et c'est de la merde. Mais bon, on s'en sort pas mal là. Bon, je pense qu'on va pas jouer Tristana. Faut pas déconner, déconner, en vrai. Il faut pas déconner, déconner. D'accord, que Samira est fumée. Ah, je sais pas si elle a fumé, mais je sais pas si elle est fumée. Moi, je la fumerais bien, la petite. Hein. Non, je plaisante. Ouais, c'est broken. Alors. J'imitais votre tonton, beau. J'espère que c'était une bonne imitation, j'espère. Je tente de prendre ça, la spot aussi. Tada. Ouais non c'est pas mal le... En fait élu siphonneur c'est pas mal quoi en vrai. Je suis d'accord. Ça fait toujours tuer 10 hein. Ok. Est-ce que c'est le moment où il gicle? Je suis même pas sûr tu vois là. Il me régale pour l'instant encore ce Nasus là. En vrai c'est plus ça, ça donne juste brawler, c'est pas fou quoi. Il y a la Kelly qui est en train de me niquer ma mère là. Apparemment lui il est vraiment venu pour rigoler sur le set. Lui il est venu pour rigoler ce soir hein, sur PBE. Il y a pas mal de recyclage quand même. Mais en fait on se disait l'autre fois qu'en fait ils ont sorti quasiment tous les persos de LoL sur TFT en fait déjà. C'est assez dingue à dire hein, mais... Après ils peuvent faire des trucs à l'infini hein, vu qu'ils peuvent créer au final des trucs. Hein. Comme, vu qu'ils ont créé un sort pour Harry à partir de là tout est possible. Mais ouais c'est assez dingue de se dire qu'ils ont déjà... Pas d'organisé. En fait j'ai très envie de tester Shogat Fable. Donc bon. J'ai eu Zira, yep. Et jamais Orianna, ouais. Orianna et Udyr pleurent ensemble, on peut le dire clairement. Ça marche, Lid, mais c'est beaucoup moins fort qu'avant par contre.
C'est beaucoup moins broken, mais ça fonctionne, ça fait quelque chose en tout cas. Ah, c'est l'essoufflement de la compo là par contre. Hein. Ah, Shivanek, le bonus Dragon Soul, elle fait quand même bien le café là. Attends, pourquoi le bonus Dragon Soul est en train de fumer le Wukong là? Non, quand même pas. Ah, si, si. Non, c'est broken Dragon Soul, c'est trop. Cinquième auto. Ah putain, il a mis le shield le bomb, ce bâtard. Ah ouais, j'ai fumé. Ok, c'est broken. Mais dire, a déjà été dans TFT. Ouais, bien sûr. Et meurt aussi. Bah, évidemment. Évidemment, bien sûr. Ouais, avec Fiddlesticks, absolument. Il y avait une synergie avec Fiddlesticks aussi. Fiddle, Udyr et Mer, ils avaient une synergie, tous les trois ensemble. Jouer Kate, j'en ai marre là. Ah, c'est OTP Dragon Soul cette game, c'est sûr. J'ai pas de porteur. Je ne suis pas le ça va en vrai. Terre, je suis l'aigle. Les gens de Shogat. Bon, j'essaie de varier un peu les plaisirs là. Merci beaucoup, Warwanner. Merci beaucoup, mec. En match, tu as deux items. Non. Ça le fait ou pas comme ça là? Prends la spat là. La Janna, hein, c'est nul. C'est le Nautilus, je crois, pour l'instant. Je sais pas trop comment on va se setup là. C'est plaisir de devoir faire du TFT en 2021. Pourquoi j'en ai pas? Pourtant, j'ai fait que ça en 2021. Ah! Ça, je connais, c'est du Hyrule. Ça, c'est du giga Hyrule ce booster. J'espère que j'aurai le même au World, j'espère en vrai. C'est le mec. Moi je vais avoir le même au World, sinon je vais m'énerver. Hein. Si j'ai pas le même booster au World, ça va me saouler en vrai. Est-ce que ce serait pas le double top hein, de suite? Faisant de moi le favori pour les Worlds de 2021 officiellement. Moi j'assume mon statut de favori pour les Worlds de toute façon, très clairement. Comment se porte le général? Ça se passe bien, hein, général? Oui, il est un peu blanc là. Un peu white, un peu blancos. Et c'est parce qu'il manque de vitamine D quoi. Oh les refs, magnifique. Alors. Allez Janna. Ah mais le croc du dragon en vrai ça fait trop chier là. Allez allez. Ah non. Ouais, il y aura un quatrième poster de prévu. Ouais, c'est prévu, c'est prévu. Putain, il me reste du chili con carne en plus. Parce que j'ai fait un chili con carne, il était incroyable. Tout à l'heure. Je vous raconte que ça, les gars. Le meilleur de ma vie, quoi. Bon, c'est l'Olaf, hein, ça fait des 6. Poster de Jean Moulin. Non, on pourrait, mais il faut varier un petit peu, quoi. On pourrait, mais bon. Le maréchal. Maréchal Leclerc, hein, du coup. Hein.
Johnny. Bah j'aimerais bien mettre un poster de Johnny en vrai derrière là. Tu sais un poster de Johnny, c'est qui est debout avec son micro comme ça, avec une main sur sa bite là comme ça là. C'est Johnny, c'est comme t'sais, sa position comme ça là, tu sais comme ça là. T'sais, avec le micro, le blouson en cuir comme ça là, tu sais comme ça là. Est-ce que je veux dire ou pas? Ah oui, est-ce que je veux dire ou pas? En mode Johnny quoi, tu vois avec le micro comme ça là, en train de faire Gabriel. Nanana. Où est-ce que je veux dire? Tu peux le mon esprit, mon amour est angle ma vie. Bon. J'ai mis les 6 Dragon Souls, mais je pense qu'on manque de frontline là quand même. Alors. Poster de Renault coronavirus. Joli. Fais mal Aurélion. Fais mal hein. Trop imagé, je voulais aller dodo là. Attends, tu regardes la fin de la game quand même Sharky. Après on va dodo après. Pas celle-là. Tu prends un level 8. Direct mec. Là c'est Horde qui part, j'annonce. Là si c'est pas Horde qui part, j'arrête TFT. J'annonce. Direct quoi. Ta da ta 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 da. Ta da ta ta da. Ta da ta ta tam tam. Ta da 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 da. En vrai, Orn il profite pas très bien du buff Dragon Soul, hein, vu que c'est de l'attaque speed et de la paix. J'arrive pas à voir si c'est, oh, c'est encore de la paix dessus. J'ai pas encore déterminé si c'était bien. Quand tu veux, Aurélion. Hein. Trop tard, hein. Un peu trop tard, Aurélion là quand même. Je pense qu'il y a un truc broken qu'on n'a pas encore analysé, mais je pense que Nico avec Vanguard Mystique c'est broken, je pense. On va tester ça. Je pense que c'est giga broken du cul, je pense. Prends Tristana. Ouais, peu de chance qu'on la joue, hein. Je peux la prendre si ça vous amuse. Amusons la galerie. Attends, j'ai une deuxième spade Dragon Soul, allo? Oh putain, attendez. Il se passe des choses là, je crois, les amis. Il se passe des choses, je reconnais là. Il se passe des choses là, non? Il se passe des choses. Attends, j'ai une spat à donner, mais je sais pas qui l'a donné. La force est mystique en vrai là. Je sais pas, faut ranger le genre de mystique là. Bah, sur Zilean, c'est pas très worse, mais bon. C'est qu'il y a l'autre con qui est en train de faire des. Ferme là. En vrai, c'est Olaf qui gigue. Je vais pas virer Olaf si. Non, en vrai, la théorie c'est qu'il faudrait pas avoir deux Aurélion quoi. Non, mais si, je peux virer. Faut pas que je vire les Vanguard en fait. Merde, j'ai miss. J'ai mis le brand devant, c'est pas prévu. Ouais, Assault 3 ça va être chaud quand même. Hein. Peut-être qu'il faut vendre le Assault pour tryhard. Hein. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette zone là? Ah oui, c'est Shogat. Quand il est faible, il ulti toute la zone, toute la map. Bon, je vais vendre les Aurélions, je crois. Quoique ça va, ça régale. Voilà. Tant pis, je vais vendre l'autre Aurélion, je pense. Je vais le rebuild parce que je suis à 23 HP, c'est chaud. Ah mais c'est vrai que c'est 5 mages maintenant pour avoir Ah la vache.
Oui, c'est 5 mages, pas 6 mages. Presque plus faire ça, ouais. Je sais pas quoi rentrer, en fait j'ai un perso qui sert à rien, je suis en 7 Dragon Soul là. En vrai avec Swain et Tristana j'ai les 9 Dragon Soul avec Swain et Tristana. Mais il faudrait être level 9, donc c'est à peu près d'arriver. Je suis capable de contre une Diana. Je vais en la Tristana, Romanic. Ok, j'ai Horn 2, les gars. Le forgeron Levallois est de retour. C'est mon nouveau surnom. Hein. Vous pouvez appeler le forgeron Levallois. Forgeron. Ta-da-da-da. Bon, j'habite plus à Levallois, mais c'est pas grave. Hein. Forgeron. Ta-d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 a-
J'ai raté un épisode ou quoi? Je me suis fait one shot par Samira, je vais mourir. Est-ce que quelqu'un sait pourquoi j'ai pas pu équiper le hook? Il en a déjà un. Ah oh, putain, c'est vrai qu'il avait déjà un item. C'est un par champion, je suis con. My bad. Mon mauvais. Mon mauvais. J'avais zappé qu'il avait déjà un item, ce con. Je tiendrai pas à jouer. Ah putain, j'ai swain, mais c'est trop tard là maintenant. Là. C'est un peu late, j'avoue. Bon, 2 était mieux que Sage. Je suis d'accord, mais il était level 1 donc bon. De là, hein. Bon, ça vaut que la Kindred du coup. Et du coup, tout platine focus la Kindred, du coup, c'est vrai. Je suis pas sûr que ramener perso sur Rayon soit bien, mais bon, c'est pas grave, c'est rigolo. Ah, c'est chaud, on est mort. Ah, non, terrible. Ah, terrible. Quel chiffre pour Swain, non? Ouais, chiffre 2 c'est plus fort que Swain 1 en vrai, en top 4 ça va. Je vais faire quelques games, Elderwood c'est toujours aussi fort. Les espèces avec Horn. Ah, j'ai pas vu ça encore. Donc Xayah c'est broken en vrai. Ah bah, Ripley rouge, hein. Ripley bleu, pardon. Bah, toi 1, 2, 3. Ah non. Terrible. Oh, la ruine des bleus là. C'est vraiment la déception ça, hein. Je comprends. Je dirais la bite est grande. La bite est grande. Bah Sleepy je me trompe jamais, tu sais bien. C'est jamais arrivé Sleepy, tout le monde a oublié ce qui s'est passé. Tout le monde a déjà zappé. J'ai cru en toi, elles allaient béni 34. Mais on t'oubliera jamais pour les potatoes mec. T'inquiète. Très Samira avec Deathblade, QSS Runel et 6 layers, c'est turbo fort. Ah, mais Samira, c'est giga broken. J'oublie pas. Désolé. Bah, en tout cas, vous en avez pensé. Juste qu'il y a... Non, j'arrête là, ça y est. Qu'est-ce que vous avez pensé, le chat. Qu'est-ce que vous avez pensé de. Je suis mort quoi. Je me suis couché à 5h cette nuit. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette première soirée de 4.5, les amis? Ah. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Horn trop fort. Horn incroyable, hein. Pas mal, hein. Franchement, c'est cool. Hein. Trop bien. Je suis hype. Elle a l'air de se plaire. Moi, je suis content. Ouais. Ça va être full pipe. Hein. Bon, j'ai pas encore joué Samira, mais. Lul. Après, moi, j'ai top 1 sans Samira. Et là, celui qui avait Samira, il se fait. Pour moi, c'est Kayle qui est le plus OP pour l'instant. Pour moi, Kayle, c'est le plus OP de tous pour l'instant. Honnêtement. Machine learning. On sent qu'il y a un gros travail. Ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. C'est vraiment bien quoi. Genre ça donne vraiment envie de jouer là. Alors j'ai pas testé Darius encore mais. En fait j'ai pas joué Slayer encore pour le moment. On verra ça demain. J'ai fait Samira à 3 stars donc excellente première soirée, j'imagine. Ah bah ça fait plaisir hein, tout ça. Ça fait plaisir. Ah c'est bien. Je trouve ça very good perso. Game 1, kill 3. Nice. Aurélien est sympa aussi honnêtement. Et moi j'adorais le Aurélien du 7-1 donc je suis satisfait. Je le trouvais trop cool le Aurélien. Ça me plaît. Qui trop fort pour l'instant. Kayle, Samira aussi. Qui trouve son heure de gloire, j'avoue.
J'ai pas encore assez pu jouer Swain et tout, mais bon. Pas un Rome et Granieros. Oh, j'adore que je stoppe là pour ce soir. Et voilà, c'est cool en vrai. 17h demain. Ouais, d'abord, on va 17h du coup. 17h demain, les amis. Et on fera quelques game viewers demain, je pense. Sûrement. Et demain, il y a la Liga. Hein. Oublie pas, demain, c'est le Paris Talk demain. Demain, on devient millionnaire avec un pari sur l'OM demain. C'est quoi la cote de l'OM? Quelle est la cote de l'OM? La cote de porc de l'OM. Cote de porc. Tac. La cote de l'OM, les gars. Zéro. On va voir la cote de l'OM. Cote de l'OM, c'est 2-20. Et 2-20 à domicile contre Montpellier, les gars. C'est vraiment free, quoi. On va se faire défoncer comme d'hab. On va se faire soulever du cul. 2-20 sur Winamax, c'est belle cote quand même. Ah, GG, un meilleur kick qui a fait deux top 1. Hein.